C'est déjà l'heure de votre magazine sur Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, nous aurons des précisions chiffrées avec Judith Onomaka qui nous parle aujourd'hui précisément de la répartition des recettes du budget 2023. Le dossier aussi sera au rendez-vous dans cette série de rubriques pour nous parler aujourd'hui de l'Organisation internationale pour les migrations qui documente près de 7 millions de déplacés suite aux violences. Les rendez-vous liés à l'économie, nous les aurons aussi dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Mais avant d'y arriver, parlons d'abord des nouvelles en bref et on se retrouve juste après. Suivez. Glencore, l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre, a annoncé avoir produit des 120 000 tonnes de cuivre en 2022. Présente dans les trois plus grands pays producteurs de métal rouge, en l'occurrence le Chili, les Pérou et la RDC, les géants suisses de matières premières Glencore, a communiqué ses statistiques de 2022 dans un rapport d'activité publié le 30 octobre 2023. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Les Fonds monétaires internationaux estiment que le gouvernement de la République démocratique du Congo doit limiter les dépenses non essentielles s'il veut continuer sur une bonne direction dans un contexte de forte incertitude. Dans une déclaration faite le mardi 31 octobre 2023 par l'équipe du FMI, en ce jour de travail en RDC, les experts de cette institution de Bretton Woods ont soutenu que la RDC devrait plutôt conjuguer des efforts pour améliorer la gestion de ses finances publiques ainsi que la mise en œuvre de sa politique monétaire. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Désormais, la République démocratique du Congo occupe le poste de premier vice-président du bureau exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme. C'est à l'issue de votre organisé en marge de la 25e session de l'Assemblée générale de l'OMT, tenue à Ouzbékistan. L'annonce a été faite par le ministre du Tourisme, Didier Mazenga, lors d'une séance de restitution organisée le mardi 31 octobre 2023 à Kinshasa. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. On se retrouve une fois encore sur ce plateau. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connecté à Zoom Eco Live. Nous allons poursuivre cette édition avec des précisions chiffrées à présent. Avec Judith Onomaka, nous aurons droit à voir l'actualisation du cours de change en RDC, mais également la répartition des recettes du budget 2023. Et ce sera fait juste après ceci. Restez branchés. C'est parti pour des précisions chiffrées avec vous, Judith, bienvenue. Merci, Judith. On va parler aujourd'hui des recettes du budget 2023, de la manière dont elles ont été réparties. Mais pour commencer, quelle est l'observation faite sur le cours de change actuellement en RDC? Voilà, les nouvelles réactualisations du taux de change en République démocratique du Congo se présentent comme suite. Présentement, à l'officiel, 1 dollar vaut 2610 francs, un franc CFA se change à 4,19 centimes et 1 euro vaut 2754 francs congolais. Maintenant, prenons la partie marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Kalamu et dans cette commune, 1 dollar revient à 2500 francs, un franc CFA se change à 4,20 centimes et 1 euro vaut 2800 francs. Voilà, on va poursuivre avec des précisions sur quoi sont constituées les recettes du budget 2023. Les recettes du budget 2023 sont constituées des recettes internes et des recettes extérieures représentant respectivement 75,2% et 24,8% du budget général. Alors comment ou de quelle manière sont réparties les recettes internes? Dans les recettes internes, on a comme chiffre les recettes suivantes. La DGDA va simuler des recettes de l'ordre de 4 949,5 milliards de francs congolais, représentant 16,3% du budget général. La Direction générale des douanes et accises, la Direction générale des impôts, va simuler 13 389,6 milliards de francs congolais, soit 44,2% du budget général. La DGRA, Direction générale des recettes administratives, judiciaire, domanial et de participation, vont collecter 3 532,0 milliards de francs congolais, soit 11,7% du budget général. Et les pétroliers producteurs, pour finir, 615,4 milliards de francs congolais, représentant 2,0% du budget général. Avant de conclure cet échange, on va aussi parler des recettes extérieures.
Les recettes extérieures sont constituées des recettes d'appui budgétaire, c'est-à-dire ressources extérieures de soutien budgétaire chiffrées à hauteur de 2 553,8 milliards de francs congolais, soit 8,4% du budget général. Elles concernent les emprunts programmes de 1 104,8 milliards de francs congolais, les dons budgétaires de 1 038,5 milliards de francs congolais et l'allocation des DTS du FMI de 410,5 milliards de francs congolais. Et enfin, les recettes de financement des investissements recours à l'emprunt pour financer les investissements de l'ordre de 4 959,4 milliards de francs congolais, représentant 16,4% du budget général. Elles sont constituées des dons projets de 1 032,4 milliards de francs congolais et d'emprunts projets de 3 926,9 milliards de francs congolais. Merci à vous, Judith, de nous apporter ces précisions chiffrées. J'espère vous retrouver prochainement dans une nouvelle édition de Zoom Eco Live. Merci à vous, c'était un plaisir. Passons à la prochaine rubrique, c'est le dossier que nous allons ouvrir sur l'Organisation internationale pour les migrations qui documente près de 7 millions de déplacés suite aux violences. Et cette thématique sera abordée par Dina Mavongo. Suivez. C'est parti, le dossier reçoit pour vous Dina Mavungu. Dina, bienvenue. Merci Judith. Alors pour commencer, au sujet de ces 7 millions déplacés suite aux violences, quelle est donc la situation actuelle, la situation sécuritaire bien sûr, à l'est du pays? Alors la dégradation de la situation de la partie est de la RDC devient très inquiétante parce que cela oblige les paisibles citoyens à se déplacer de leur foyer pour se prémunir contre les violences de cette situation. Elle a donc été attirée à travers un communiqué qui a été publié le 30 octobre dernier par l'Organisation internationale pour la migration. Selon le dit communiqué, un nombre de environ 6,9 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer à cause des violences. Cela est donc causé par l'activisme accru des groupes armés qui sévit à l'est de la République. Avec le conflit en cours en RDC, il est donc confronté à l'une des plus grandes crises des déplacements internes et humanitaires jamais enregistrées dans le monde, le dit l'OIM. Alors j'aimerais que l'on poursuive en parlant aussi de la cartographie des déplacés recensés par l'Organisation internationale pour les migrations. À ce jour, la cartographie enregistrée et recensée par l'Organisation internationale pour la migration se présente de la manière suivante. À la fin du mois d'octobre 2023, environ 5,6 millions de personnes ont été déplacées dans la RDC et ont été établies dans la province orientale, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, dans l'Ituri et au Tanganyika. Dans ce seule province orientale et sud Kivu, jusqu'à 1 million de personnes ont été déplacées en raison des conflits. Plus de deux tiers des personnes déplacées, soit près de 4,8 millions de personnes, vivent dans des familles d'accueil. Face à une telle augmentation des chiffres jamais connus dans le monde, l'Agence onusienne pour la migration basée à Genève a donc promis de multiplier ses efforts pour aider la RDC à dépasser cette crise. Alors pour poursuivre, j'aimerais que l'on rappelle aussi l'objectif ou les objectifs poursuivis par l'OIM ici en République démocratique du Congo. L'objectif poursuivi donc par l'Organisation internationale pour la migration est donc de déplacer 10 000 foyers, soit 50 000 personnes au cours des trois prochains mois. En dépit de cette volonté manifestée par cette organisation en RDC, elle reste quand même largement sous-financée. Alors, puisque vous parlez des financements, je vais rebondir là-dessus pour parler aussi du budget d'opération de l'OIM pour venir en aide à ces personnes retrouvées dans près de 150 pays dans le monde. Parlons chiffres, comme vous l'avez dit, pour que l'OIM puisse bien fonctionner, il faut environ 1,3 milliard de dollars pour venir en aide à un effectif de près de 18 000 personnes réparties dans 150 pays dans le monde. Malgré cela, il n'arrive toujours pas à atteindre ses objectifs. Seul un tiers des 100 millions de dollars a donc été reçu par l'OIM. Merci à vous Dina, c'est la fin du dossier. Merci encore pour votre disponibilité et pour ce dossier apporté. Merci Judith.
Et à présent, on va faire un petit voyage au Congo central pour découvrir l'un des marchés qui s'y trouve. Il s'agit là du marché nommé Doumbi pour prélever aujourd'hui les prix des tomates fraîches vendues dans ces coins de la République démocratique du Congo. Et ce sera fait avec Naomi Kandé dans Zoom Wenze. Suivez. Certains aliments, en plus de leurs bienfaits nutritionnels, contiennent des propriétés particulières. Une occasion pour Zoom Wenze de se rendre dans la ville de Boma, au marché Doumbi, dans le Congo central, pour vous présenter le prix de tomates fraîches. Sans plus attendre, allons découvrir le prix de ces tomates et on se retrouve juste après. Débutons ces nouveaux marchés avec de petites tomates fraîches pour une mesure d'une boîte de tomates concentrées. Celle-là se vend à 1000 francs. Une botte de tomates fraîches revient à 500 francs et 300 francs. Vous pouvez aussi vous procurer une grande botte de tomates fraîches au prix de 1000 francs et 1500 francs. Dans la ville de Boma, un bassin de tomates fraîches coûte 5000 francs et 6000 francs. Toujours dans ces mêmes marchés des Doumbi, un grand bassin se vend à 10000 francs. Un petit seau coûte 4000 francs. Pour ceux qui préfèrent s'approvisionner un grand seau de tomates fraîches, celle-là coûte 6000 francs. Et pour finir, un filet de tomates fraîches varie entre 25 000 francs et 30 000 francs au marché Doumbi dans la ville de Boma au Congo central. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wenze. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Cette édition se poursuit et cette fois-ci, nous allons parler des différents rendez-vous économiques qui sont prévus ici en République démocratique du Congo et les précisions nous seront apportées dans la rubrique Agenda présentée par Adassa Grasse. Prêt à noter les rendez-vous et c'est tout de suite. C'est parti. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Du lundi 6 au mercredi 8 novembre 2023, s'y tiendra le Forum mondial de la démocratie. Cet événement traitera des initiatives de terrain et des pratiques innovantes pour résoudre le problème spécifique ainsi que des idées novatrices pour améliorer la situation. À présent, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle du Haut-Katanga, prépare une nouvelle session sur la rupture de contrat de travail, attitude prudentielle à adopter. Ça débutera du 8 novembre jusqu'au 10 novembre prochain au siège provincial de la FEC. Cette fois-ci, la première édition de la rencontre internationale de décideurs et des opportunités s'y tiendra du 10 au 11 novembre 2023 à Kinshasa, de 9h à 15h. Un événement qui va réunir les entrepreneurs et les chefs d'entreprise du secteur privé et sera axé sur les thèmes « Dans quel secteur investir en RDC ?». Et pour finir, rappelons que la Fédération des entreprises du Congo prépare l'Assemblée générale extraordinaire le jeudi 2 novembre prochain au siège de la FEC à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est tard de se tirer d'affaires, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. Nous allons clôturer avec cette série de rubriques en prenant la toute dernière, article 15, qui parle des activités commerciales retrouvées en RDC. Et on va prendre ce nouveau numéro dans Zoom Eco Live. Regardez. Je suis brochette. Je suis 10 ans. Je suis la brochette. 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 Je suis la brochette.
Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe des professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été nombreux à la suivre. Et pour rappel, abonnez-vous sur nos différentes plateformes. Nous sommes Zoom Eco Live et on vous rapporte les informations et entrées à l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.